Salut, tu vas bien? Une nouvelle vidéo dans un cadre très particulier. Oui, je peux l'accorder que c'est sûrement c'est l'un des cadrages les plus bizarres que vous avez pu voir sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais faire une vidéo sur comment se laver les mains. Là, il y en a certains qui se disent, oh, il est sérieux, le mec il va passer son BPJEPS et il fait des vidéos sur YouTube, il est formateur BAFA machin, et va faire une vidéo sur comment bien se laver les mains. Mais c'est quoi son problème? Tu mets un coup d'eau, un coup de savon, et puis tu frottes et puis t'es bien. Et ben je vous le dis les amis, oui, il y a une bonne façon de se laver les mains. Il y a 7 étapes en tout. Je vous jure que c'est vrai, il y a 7 étapes pour se laver les mains. Au-delà de tout ça, que c'est même de la propreté et que c'est normal justement de se laver les mains, nous sommes toujours en période sanitaire, il faut toujours se laver les mains régulièrement, encore plus que d'habitude. Et j'ai des animateurs qui m'ont envoyé des messages cet été parce qu'ils me disaient qu'ils galéraient justement à faire laver les mains à les enfants, surtout les petits, les tout petits, les moins de 6 ans, qu'ils se lavent les mains correctement. Parce que c'est vrai qu'à moins de 6 ans, eux, pour eux, ils se disent, je vais me laver les mains après faire pipi, avant manger et après manger, et quand j'ai les mains sales, et c'est tout. Sauf que là, tu te dis qu'il faut se laver les mains plus régulièrement, dès que tu arrives sur la structure, dès que tu pars de la structure, avant un jeu, après un jeu, avant d'aller aux toilettes, après d'aller aux toilettes. Dans une journée, il faut se laver au moins 15 fois les mains. Et il y a certains enfants qui comprennent pas. Bon, certains enfants, mais certains animateurs et certaines personnes aussi qui ont du mal à comprendre qu'il faut se laver les mains régulièrement. Non, mais c'est vrai, parce que aussi j'ai vu certaines personnes se laver les mains faire. Alors ça ne s'appelle pas se laver les mains. Ça s'appelle se mouiller les mains. Non. Il y a l'une de mes animatrices dans ma structure qui a amené une petite comptine pour les enfants, pour les moins de 6 ans, et justement pour savoir comment bien se laver les mains. Et quand ils se lavent les mains, bah, ils chantaient cette petite comptine et que je vais vous la prendre justement en vidéo. Comme ça, si vous galérez avec les enfants de moins de 6 ans, alors plus de 6 ans normalement ça devrait le faire, mais après s'il y en a qui veulent l'apprendre aussi pour les 7, 8 ans, il n'y a pas de souci. Mais aussi vous les parents, s'il y a des parents qui me regardent et qui ne sont pas du tout animateur, et ben vous pouvez le faire avec vos enfants. Faut mettre un petit peu d'eau évidemment et du savon, sinon ça marche pas, ça ne sert à rien. Le serpent rampe sur le sol, l'hérisson sort ses piquants, l'ours se frotte sur l'arbre, le ver de terre rentre dans son trou. Bon, il y a beaucoup de vers de terre, hein. Voilà. La poule picore ses graines. Le koala s'accroche sur sa branche. Vous voyez la concentration que j'ai pour faire cette comptine. Et après, on rince. Alors là, je vous l'ai fait bien sûr à cette hauteur parce qu'on ne voit pas mon lavabo, mais sinon vous le faites bien sûr sous l'eau. Enfin, vous voyez, mais au moins le plus important c'est que entre guillemets les étapes soient faites. Et ce qui est bien avec cette comptine, c'est que peu importe, on s'en fout qu'ils commencent par le serpent, le koala, l'ours et tout ça, ils font à leur sauce. Là, pour les enfants, il faut dire que tous les animaux faut qu'ils passent. Et au moins d'un côté, ça fait quelque chose de pédagogique, mais aussi de ludique au-delà de se laver les mains. Ça fait connaître un petit peu les animaux. Mais au moins comme ça, je vous ai donné une petite comptine. Alors il n'y a pas de musique derrière tout. Il n'y a pas vraiment de rythme, mais comme je vous l'ai dit, on s'en fout s'il commence le serpent par l'ours, le machin, il n'y a pas vraiment d'ordre. C'est tant qu'il fasse tous les animaux, c'est le principal. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vraiment tranquillou sur le lavage des mains et aussi vous apprendre une petite comptine pour les enfants et surtout les moins de 6 ans, leur apprendre une petite chanson pour qu'ils puissent se la faire également en même temps de se laver les mains vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos sur le milieu de l'animation, BAFA, BAFD, formation ou alors législation. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.